Salut tout le monde, ici SnakeToot, de retour avec Marvel Spider-Man et on va se diriger vers le laboratoire pour apparemment soit réparer notre tenue, soit s'en faire une nouvelle. Je sais pas encore, on verra bien. Mais quoi qu'il arrive, ça va être épique, je le sens bien. Je veux dire, regardez-moi ça, bordel. C'est tellement épique, je crois que je vais jamais m'en lasser. Je vais tellement jamais m'en lasser de ces mécaniques de toile. Et la ville est tellement belle. Oh là là, j'ai jamais rien vu d'aussi beau de ma vie pour un jeu Spider-Man. C'est tellement cool. Et puis ce soleil couchant là, oh là là. Quelle première journée de super-héros. On aura tout vu. Ah, voilà, super. Hop. Ouh. Allez, un petit piqué. Oh, Central Park. Trop bien. Alors... si je ne m'abuse, on va se diriger vers le laboratoire. Il va peut-être y avoir du grabuge, je sais pas. Le docteur a dit ne pas être au labo. Mais est-ce qu'il va vraiment être pas au labo? C'est un mystère. Allez, hop. Oh là là, j'adore le momentum. On peut vraiment prendre son temps. C'est trop cool. Ah, on avance tellement vite. Désolé. Désolé, on est occupé. Spider-Man est en congé. Chute libre. Ah ouais, d'accord, il y a même des mini-défis. Ok, ça me va. Allez, go. Cache-toi du monde entier, Spider-Man. Fais-toi une nouvelle tenue. Tant que c'est pas un symbiote, tout va bien. Tout est accepté. Temps de chargement du super-héros. Tellement balèze. Vous allez bien sinon, vous? Bon, on y est. Petite chemise à carreaux, hein. Très, très Spider-Man. Le modèle du jeu de Spider-Man, il me fait un peu penser à Tom Holland. Hein. Je crois qu'ils sont un peu inspirés de Tom Holland pour faire le Peter Parker de ce jeu. Ce qui n'est pas pour me déplaire, étant donné que Tom Holland est... pas trop dégueulasse en tant que Spider-Man. Tobey Maguire reste mon préféré, mais c'est vrai qu'il faisait pas il faisait pas gamin de 15 ans, quoi. Et bon, là, c'est le Spider-Man qui est Spider-Man depuis 8 ans. C'est le moment de passer à mes activités d'araignée. Oh là là, pourquoi tu dis ça avec une voix aussi sensuelle, Peter? Mes activités d'araignée. Ah, il y a encore des trucs à vérifier. Il faut vraiment qu'on optimise l'organisation de notre espace de travail. Blindé. La visite du comité a été une catastrophe. Ah, tu m'étonnes. Mais elle pourrait être l'inspiration qu'il me fallait. Nous ne devons pas nous contenter de respecter leurs attentes. Nous devons les dépasser. Ok, d'accord. Il fallait... T'as vraiment gâché une cassette pour dire ça? Moi, je suppose que c'est un peu tout ce qui... Ah oui, remettons un peu de jazz. J'ai envie de mettre du jazz quand je travaille sur ma tenue de super-héros, ça me paraît logique. Ok, le bras mécanique, ça on s'en fout maintenant. Bon bah allez, on y va alors, on arrête de traîner. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on va... Oh merde, c'est vraiment déchiré de chez déchiré. Oh Peter, putain. Docteur Octavius, je... Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon dîner. Oh c'est si trop... j'avais su que tu étais là, je... Oh non. Sur quoi tu travailles? Sur un projet personnel. Oh non. Oh merde. Ah. Oh non. Alors c'est donc ça. C'est toi. Oh non, il a compris direct. Quoi vous voulez. Oh, je t'en prie, Peter, c'est évident. Non. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Eh merde, c'est vraiment trop nul. Mais je voulais le faire. Mais j'avais trop peur que ça se sache et que ma famille soit en danger. Oh non. Ouais. Je suppose que si tu crées tout son équipement, ses ennemis pourraient t'en vouloir. Ah ok, il a rien compris le con. Oui. Il a rien compris le con. N'en fais pas. Ton secret est bien gardé. Oh merde. Oh merde, il a rien compris. Je te laisse travailler. Oh merde. Oh le coup de bol. Oh le coup de bol. Eh merde, ah oh, il lui a mis un post-it sur le front, c'est trop mignon. C'est un peu un papa de remplacement, j'ai l'impression. Check ton mail, t'as du spam. Regarde tes mails. J'espère que c'est pas le doc qui me renvoie. Oh putain.
Oh waouh, on va pouvoir checker les mails de Spider-Man, le gameplay le plus hype de YouTube. Peter, quand j'ai découvert que tu étais le costumier de Spider-Man... Le costumier. D'ailleurs, est-ce le bon terme? Ça m'a rappelé ta valeur en tant qu'individu et en tant que partenaire. Tu as beau te tuer à la tâche, tu trouves toujours du temps pour aider les autres. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai remarqué que la tenue était un peu abîmée. Un peu, oui. Et j'ai pris la liberté de crayonner quelques arrangements. Tu trouveras ci-joint des idées que j'ai eues pour améliorer son costume et mieux le protéger. Il a fait tellement de choses pour notre vie. Oh ouais, ouais, bah bientôt tu diras pas ça. On forme un tandem extraordinaire et notre travail va changer le monde. Ton ami et partenaire, Otto. Oh, il est encore gentil, il est encore super gentil là, Otto. Une araignée blanche, hein. Pourquoi pas, ouais. Vous pouvez maintenant utiliser vos jetons pour créer la tenue améliorée. Oh, ah, je veux. Oh, elle est trop cool, cette tenue. D'accord. On est obligé de faire celle-là, on est d'accord, oui. J'ai mis une mission annexe, vous voyez les jetons, ouais. La tenue améliorée, oui, je veux. Classe. Trop classe. Ah, elle est belle, cette tenue, rien à dire. Pouvoir de tenue? Utiliser le pouvoir de tenue pour revenir à un des pouvoirs débloqués précédemment. Les tenues peuvent être améliorées avec des modes de tenue débloqués et équipés des modes de tenue ici. Terminer des missions et des activités pour... D'accord. Utiliser des jetons pour créer des modes de tenue, d'accord. Les modes de tenue augmentent en temps de défense. Vous pouvez... D'accord. Trois à la fois. D'accord, c'est sympa, vraiment, donc un petit côté RPG, j'ai envie de dire, au costume. Je crois que j'ai vu qu'il y a plein de costumes différents et que chaque costume a des capacités différentes, un peu comme dans le tout premier jeu Spider-Man sur PlayStation 1, où voilà, il y avait différentes propriétés au costume, donc ça c'est cool. Oh, trop stylé! Ah, classe! On a même droit à une cinématique! Pardon, je suis en retard. Oh là là, comme il se la pète, il se fait des ralentis. J'adore. Je le vends. Ouais, merci. Bonjour, New York. C'est le même, mais en mieux. Ouais. Ah, cool. Cool. J'ai envie de voir la tenue d'un peu plus près. Et hop. Allez. Allez, pose-toi un petit peu. Voilà. Spider-Man, je crois savoir comment les hommes de Fisk arrivent à maintenir ses activités via ses chantiers. Ça a pas fermé quand on l'a arrêté ? Non, c'était l'une de ses activités officielles. Et donc ? Avec différents investisseurs. Et impossible d'agir sans preuve. Mais on a ce qu'il faut maintenant, non ? J'espérais que vous pourriez surveiller ces différents sites et me dire si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Entendez. D'accord. Je serai votre araignée fouineuse du quartier. Ok, tu, cette policière est vachement dépendante de toi, Spider-Man, et je me poserai des questions à ta place, hein, parce que je veux dire, est-ce qu'elle est vraiment apte à faire son métier? Oh, je crois que je me souviens de ce passage, c'est sur ce qu'on a vu, y a pas mal de c'est monde ce qu'on a ici. Vu dans les démos. Y a aucun ouvrier du bâtiment, les démos de gameplay. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font? Je vais essayer de voir ça. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Spider Gadget en pièce jointe. Il arrête jamais. Sacré doc. Alors, voyons voir les gadgets. Grâce au plan d'auto, vous pouvez désormais fabriquer la toile de choc. C'est une toile de choc. Ok, voyons voir un peu ce que ça donne. Maintenez pour fabriquer la toile de choc. Bah, allez, vas-y, fabrique-la. Toile de choc débloquée. Appuyez sur X pour continuer. Débloquer de nouveaux gadgets avec des jetons. Oui, ça en connaît. Gagner des jetons. Ok. Puissante explosion de toile qui emprisonne instantanément les ennemis. Et comment on fait ça? Comment on fait ça? Ok, ça ajoute une utilisation. D'accord. Oh, trop mignon! Le speeder drone. La toile électrique. La bombe de toile. Piège de toile. Décharge d'énergie. Matrice de suspension. What the fuck? On débloque des super pouvoirs de la mort qui tue. Wow. Ça pourrait bien marcher. Ouais, tu m'étonnes que ça pourrait bien marcher. Maintenez L1 en menu de sélection. Des... Oh, mais on est en full mode Batman Arkham, là. Donc là, c'est la toile normale. Et là, c'est la toile de choc.
Appuie sur R1 pour lancer une toile de choc. Parfait. Oh la vache! Le doc serait fier. Oh, mais c'est trop bien! Normal que j'ai fini par gagner, je suis le meilleur. Mais je me souviens quand c'était qu'un gamin et que le boss lui fichait régulièrement une raclée. Merde. C'est même que le boss la... Oh, le nul. D'accord, bah c'est super utile. C'est super giga méga utile. Ils vont venir me trouver par là. Ah oui. Oh waouh, trop bien. Oh, allez, c'est parti. Hop et hop. Hé, hey, raté. 1, 2, 3. Oh, putain. 2 et 3. Oh, j'adore. Raté. Toi, viens un peu avec moi en l'air. Voilà ce qui arrive quand on cherche le Kingpin. Tu m'énerves. Oh, putain, carrément. Vous avez ça maintenant. Ah bah oui, tiens, vas-y. Va te faire voir, on en parle plus, toi. Oh putain. Ok, ça va. Ça se passe super bien. Mais tu m'énerves, toi. Hein. Voilà, on n'en parle plus. Il y en a encore. Il y en a encore. Mais viens près d'un mur, toi, que je te colle quelque part. Tiens. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Oh putain. Où est-ce qu'il est? Oh putain, merde. Il est où? Il est où? Ah, il y en a encore en bas. Bon, allez. Au corps à corps. Voilà, ça c'est bon. Ah, merde. Oh, fuck. J'ai failli m'envoler aussi. Et toi? En voilà d'autres. Voilà. Putain, mais ils sont combien? Voilà, on n'en parle plus. C'est méga utile, cette histoire. Ça, c'est trop bien, ça. On a finalement arrêté 4 trafiquants d'armes dans un rayon de 3 pâtés de maison autour du chantier. Ça aussi, c'est méga utile. Du trafic d'armes. On a bien fait d'acheter cette amélioration. Que peut faire sans bloquer l'approvisionnement? Oh là là. Oh, merde. C'est trop bien. Oh, putain. Oh, putain. Et hop, mange-toi ça. Oh, putain. Boum, super. Viens par là. Oh là là, ça doit faire mal. Oh, les gros nuls. Oh là là, la raclée qui se ramasse. Allez, ils sont où les autres? Ah, j'en vois, il est tout droit devant moi. Boum. Et hop. T'en veux encore? Non, c'est bon. Votre nouvelle tenue dispose d'un pouvoir de tenue. Les pouvoirs de tenue vous confèrent des aptitudes spéciales, d'accord? Votre pouvoir de tenue actuel génère de la concentration continue. Ça, c'est bien. Ça, c'est super bien. Wow, excellent. Oh, s'ils ont dû appeler leurs copains. Oh, putain. Bah, t'es où? Tu vas où? Bah, arrêtez de descendre comme ça. Voilà. Alors, on a dit que c'était... comme ça. Oh putain. Super, il y en a d'autres. Bienvenue. Oh putain. Oh putain. Ah mais on peut les renvoyer en fait, les bombes. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème? On peut renvoyer les bombes. D'accord, faudra que je teste ça la prochaine fois qu'il y en a un qui essaie de m'en balancer une à la gueule. Hop. Et si je fais... Et si je fais ça et puis... Non, d'accord. Oh putain. Ok. Je commence vraiment à bien saisir toutes les finesses du gameplay. Ok, lui il est KO. Lui, il va être KO maintenant. Voilà, bon. Ah, il m'énerve lui là-bas au loin. On a toujours... ouais, c'est ça que je veux, moi, la toile de choc. On va voir là-bas si j'y suis. Voilà, super. Qui a envie de se rendre? Oh la vache, ils sont vraiment nombreux, hein. Oh putain. Oh, revois. Oh la vache, oui.
Oh putain. Oh merde, un lance-roquette. Fuck. Pouvoir de tenue prêt, ben on l'utilise, hein, sans souci. Et 3. Hop, hop, et hop. Toi, crève. Ah putain de merde. Ah ouais, c'est vrai, eux ils ont des. Oui. Tout à fait. C'est juste. Bon, on se soigne. Allez, on se bouge un petit peu là. On se bouge un petit peu de zone. Je me concentre blindé, mais. Oh putain. Oh putain. Viens ici, toi, petit enfoiré. Ok, on l'a eu. Ok. Ah oui, c'est vrai. Ok, 1, 2, hop, et... Yes. Ok, il nous en reste encore beaucoup. Oh, le gros nul. Tiens. Ah, c'était excitant. Et on se re-soigne par-dessus. D'accord. Oh, tous dans une boule. On est condamné, capitaine. Génial. Couvert de toile, pour être précis. Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Oh merde. Beau travail. Enfin quelqu'un a signalé des coups de feu. Ouais, ben ça aurait été bien si on me retrouve par terre mort. Hein? Ok, continuez. Fisk a d'autres chantiers en ville. Je parie que ce sont aussi des façades. Bah d'office. Et faites-moi signe ah, si vous voyez quoi que ce soit. Encore des trucs à faire. Défoncer les chantiers de Fisk. Ok. Bah celui-là, on vient de l'avoir, non? On vient de l'avoir. Allez, on y va, si on bouge. Si je veux trouver tous les chantiers de Fisk, il n'y a qu'une chose à faire. Je dois augmenter la précision de mon logiciel de navigation. Ah, je ouais. devrais y arriver. En appliquant un traitement 3D à des photos de bâtiments et de monuments. Et je sais par lequel commencer. D'accord, faisons ça. Moi, ça me va. Allez, go. Donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est encore en plein tutoriel. Hein. L'intrigue se lance pas vraiment encore. Allez, hop. Intervenez. Hop, c'est juste ici, hein. On est d'accord. Allez, pose-toi. Alors, on va faire quoi? On va faire vieil Empire, c'était la... Ah, l'Empire. Ah, j'adore cette ville. D'accord. Allez, une petite photo. Oh, sortir votre appareil photo. Pour encadrer l'appareil photo, ouais. D'accord. Sujet cadré. Cool. Empire State Building, on l'a eu. Ma carte a dû se recalibrer. Ah, les monuments, il faut faire une photo de tous les monuments. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de photo. J'avais oublié à quel point ça me plaisait. Donc t'es plus rapporteur, on est d'accord. Je vais chercher d'autres monuments à l'occasion. Ok, tant qu'ils sont tous marqués sur la carte, moi ça me va. Pas de soucis. Ok, oh vous avez vu tous les trucs à collectionner à gauche, mais c'est gigantesque. D'accord, on désactive la caméra. Ah mais c'est pas là qu'on peut faire des selfies. Pas encore. C'est Monsieur Lee. Monsieur Lee. Allô? Peter, c'est Martin Lee. Salut Martin Lee. Je voulais te dire qu'on avait encore besoin de Martin temps Lee comme l'homme négatif. En fait, le gâteau est toujours coincé dans les embouteillages. Oh, d'accord. Non, vous non. avez qu'à me dire quand vous êtes prêt et je passerai. Excellent. À bientôt alors. D'accord. C'est okay. Un méchant ça. J'ai un peu de temps libre. C'est un méchant. Voyons ce qui se passe en ville. Ah, il se passe que de la merde en ville. Et tu le sais. Bon, en parlant de ça, on a reçu pas mal de points de compétences, non? On a reçu pas mal de points de compétence. Coup parfait, le coup parfait, c'est pas mal ça. Le coup parfait, si on utilisait ça, ouais, le coup parfait, ça me plaît bien. Allez, on achète ça. Coup parfait, fait à présent partie des techniques. D'accord. Boost de combo. Les combos élevés génèrent la grosse plus rapidement encore. Ouais, ça coûte que 1, c'est vrai que... Fenêtre d'esquive et dernière chance... C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Frappe au sol dans les airs après avoir sauté un ennemi, appuyé sur un ennemi pour effectuer une onde de choc explosive au sol. Pas mal. Pas mal du tout. Le règne de la peur. Les éliminations silencieuses génèrent beaucoup plus de concentration. J'hésite. Mais le lancer est pas mal. Tac, et puis un lancer comme ça. Ouais, ça pourrait être pas mal. Fenêtre d'esquive. La marge de manœuvre, ouais, allez, non, allez, on achète ça. Voilà, et puis... Ça coûte 2, par contre. Et puis ça, allez. Pour l'instant, achetons ça. Au niveau des gadgets, par contre. Le lance-toile.
Jetons de crime, il nous faut 3 jetons de crime. Et ça c'est quoi? Donc c'est quoi c'est... Ça sont là déjà. Recharge plus rapidement. Ah non, on peut l'acheter ça encore, mais c'est pour recharger plus rapidement la toile. Ça c'est pour 2 utilisations de toile en plus. Recharge plus rapidement, plus, et puis les ennemis restent entoilés plus longtemps. Ok, c'est pas mal. Là, celle-là on l'a déjà, celle-là on n'a pas assez, il nous manque 4 jetons de crime. Et là on a tout simplement pas encore le gadget, tout simplement, d'accord. Mais je pense que... Votre nouvelle mission annexe, vraiment? C'est le truc là-bas? Bah, on va voir, écoutez. Allons voir un petit peu par là. Donc, c'était tout droit là. Voilà, c'est tout droit. L'espèce d'arbre là, bizarre. Je me demande ce que ça va être. Bah non, mais c'est quand même la station de police. Appel à tous les agents. On vous signale une vente de drogue en cours. À tous les agents dans la zone, rendez-vous dans le secteur de Bryant. Bon, on l'a déjà décrypté, non? We got this, Spider-Man. Thanks anyway. Ah, attendez. Voilà, et donc? Ah, c'était une tour qu'on n'avait pas encore réparée, d'accord. Ah, c'est bien parce que du coup, on peut se faire des jetons de crime. Là-bas, je vois un crime en cours. Pile poil maintenant. Spider-Man, arrête de regarder autour de toi, s'il te plaît, il y a un crime. Des gens qui meurent. Spidey? Merde, où est le crime? Trafic de drogue, trop bien. Enfin, je veux dire, non, pas les trafics de drogue, mais je veux dire, le fait qu'on va pouvoir en arrêter un. Oh, oh, oh! Attendez. Attendez 2 secondes. J'ai vu un speeder sac. Non? Salut Peter, tout est prêt pour la fête. On attend plus que toi. Cool, bon, tant pis. En route. Tant pis, il y avait un trafic de drogue quelque part. Est-ce qu'il est le trafic de drogue? Il n'y a plus de trafic de drogue. Oh non, je voulais un trafic de drogue. Non. Oh non, il est encore là. Ok, ouf. On n'a pas raté le trafic de drogue. Oh putain, mais c'est une voiture. Ça, c'est une course-poursuite à haute vitesse. Ouh, trop trop cool. Oh, trop cool. Bonjour monsieur Muggins. Si c'est à propos du loyer. Monsieur Parker. Oh putain. Appel et votre troisième et dernier appel. L'expulsion. Oh ouais. Terminé. Oh trop bien. Oh trop cool. Raté. Enflure. Eh ouf. Oh là là, j'adore. Allez, y'a plus personne, c'est pas possible. Hey, ça c'est pas sympa. Allez, sors de là. Oh oh oh. Ouh, trop cool. Oh là là. Oh mais c'est trop bien. Ah merde, il fallait le faire encore plus vite. D'accord. Et voilà qui conclut notre speeder visite guidée de New York. Holy shit, c'était épique. C'était bordel d'épique. Ok, y'a plus personne à viser, ok. Bon. Oui, on peut y aller, Spider-Man, n'importe quoi. Appel à toutes les unités. Oh, encore un crime. Oh, allez, on se fait encore un crime. C'est trop tentant, là. C'est trop tentant, et puis on se fait des jetons pour améliorer notre tenue. Hop. Ouais, les modes de tenue aussi, c'est important. Monsieur Muggins, je suis désolé. Monsieur Parker, cet appel est votre troisième et dernier avertissement. Oh, ça va. Attendez, attendez, je suis payé en fin de semaine. Je peux... Ah, merde. Allez les gars. Eh mais c'est encore la même qui a été attaquée là. Bonne journée. Ah oh, j'adore. C'est fini déjà. C'est fini déjà, allez salut. Aussi vite commencé, aussi vite fini. Bon allez, je crois qu'on a eu assez. En parlant de ça, au niveau des tenues là. Ah, pouvoir de tenue, ça on l'a déjà. Mode de tenue. Ah, et c'est disponible, mais on n'a pas assez pour quoi que ce soit. Si, ça on a. Technologie de combat, attaquer avec un gadget génère de la concentration. Ça on l'a déjà, on est d'accord. Ah, on peut le fabriquer. Attaquer avec un gadget génère de la concentration, ça m'intéresse pas. Réduit les dégâts causés par les attaques de mêlée. Ça m'intéresse, mais on n'a pas assez de quoi que ce soit. Il nous faut encore un jeton de crime et un jeton de sac à dos. Vous savez quoi? Je pense que ça, je vais le faire à part des épisodes. Je pense qu'il vaut mieux faire ça à part des épisodes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers la prochaine mission. Ouais, ben écoutez, les jeunes ont bien le droit de s'amuser. Je ferai un super héros complètement irresponsable. Je suis désolé, mesdames et messieurs.
Allez, hop. Ah, mais là, il y avait un sac à dos. Peut-être que, ouais, on passe vraiment à côté. On peut quand même le prendre. Il est où? Ah, il est juste là. Allez, on le prend et puis voilà, on en parle plus. Il est où? Il est là. Allez, comme ça, on a le jeton. Ah, vas-y, fais voir. C'est quand on cherchait un appart avec MJ pour vivre ensemble. Trop mignon. Et puis, on s'est séparés. Oh, moins mignon. Je peux vraiment être à côté de la plaque, parfois. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc là, vous êtes séparés pour l'instant. Bon, il est où ton kidnapping? Où ça? Besoin d'agents près de Kips Bay. Là, il y a un kidnapping? Bah allez alors, on va faire un kidnapping. Enfin, je veux dire, on va empêcher un kidnapping. Oh putain de merde. L'IA qui est intégré à ma tenue peut m'indiquer la zone où se trouve la victime. Ouais. Mais encore? Ça se passe dans la rue ou comment? Ouais, alors, la victime, elle est où? Parce que là, je vois personne pour l'instant. Victime? Ah, merde! Ah, je suis con. J'ai activé la... Où est la victime? Il y a bien une victime! Madame la victime? Bonjour. Je me tire. Peut-être au niveau des toits, non? J'imagine que ça va être au niveau des toits. Madame la victime? Ah bah je vois vraiment pas. Si je me mets là au-dessus. Là-bas en face, il y a quelqu'un. Vous avez jamais vu de ça? Non, d'accord. Je suis désolé, madame la victime, mais je crois que je vais devoir y aller. Hein. Parce que ça pue. Non, je vois pas. Je vois vraiment pas. Ou alors, c'est pas sur un toit, quoi. Ouais, c'est peut-être pas sur un toit. Peut-être au sol. Tout le monde se casse la gueule. C'est trop marrant. Allez, poussez-vous, poussez-vous. Bah, je vois pas. Peut-être au sol, ouais. Peut-être au sol. Nah, je vois pas. Je vois pas. Bon, désolé, tant pis. On te sauvera la prochaine fois, victime de kidnapping, qu'on reverra sans doute plus jamais. Allez, tchuss. Salut. Oh non, on aurait essayé, hein. Vous pouvez pas dire le contraire. Le plus gros héros des gameplays YouTube. Pouvoir de tenue prêt. Ah oui, oui, notre pouvoir de concentration, là. Voilà, super. J'adore la petite musique héroïque avec chaque fois qu'on se balance avec la toile. C'est vraiment une bonne idée. C'est une putain de bonne idée. Hop. Bon, où j'ai mis mon sac? T'as des sacs partout en ville. Ah, notre vrai sac. Allez, chop. Ok, on va rencontrer Tante May en HD, 3D. Oh, on l'aura jamais vu en aussi grande définition. Sauf peut-être dans les films où elle est en vrai. Non. Même là, il y avait plus de polygones. Oh, il a changé la couleur de sa chemise. C'est Monsieur bien pensé, doit être ça. En cuisine, en train de préparer la fête. Il n'est pas cuisinier, pourtant. Salut Peter Parker, personne totalement normale. Bienvenue au Fist. Au Fist, à la Fist. La Fist. C'est vrai qu'il dit comme ça le Fist. Bienvenue au Fist. La chapelle Fistine, la Fistinière. Ah bah c'est super cool ici, on peut même jouer au basket. Salut Peter. Salut personne inconnue. Salut, la partie se passe bien? À ton avis, je gagne bien sûr. Tu te la pètes, sale con. Il commence à devenir sénile, Peter. En effet. Je suis en train de l'écraser. Oh, le plus important, c'est de s'amuser. Ouais, vous avez l'impression que vous amusez. Dans tes rêves, vieille folle. Parti Peter, on joue pour des cacahuètes. Non. Merci. C'est important, c'est méga pas trop bon. Mon truc. Les cacahuètes ou les échecs? Faudrait savoir. Cool. Alors. Ma tante Merci. Est derrière. Ok, elle doit être derrière et c'est ce derrière-là. D'accord. On peut explorer un petit peu peut-être, non? Ça a l'air sympa Pete, ici. Merci pour ton aide. J'ai eu le poste. Génial. Oh, cool. Félicitations. Génial. Ça fait vraiment du bien d'entendre ce genre de choses. On n'est pas des héros pour rien. Il y a des trucs ici.
Pas l'impression. C'est peut-être par ici qu'on accède à l'arrière. Non? Non. D'accord. Bon, on est quand même venu visiter. Oh, on pourrait laver nos collants ici. Non? Il est où le Dash? Ou l'Ajax? C'est super pépère ici, j'adore. Il y a combien d'étages à ce truc? On peut tout visiter? Faut pas qu'on se perde, hein. Voilà, faut qu'on reste concentré. Tante May, où es-tu? Ah, d'accord, c'est pas Tante May qu'on cherchait, mais Monsieur Liu. Monsieur Li? Monsieur Li. Salut, Monsieur Li! Ah, Martin, désolé pour le retard. Non, tu tombes à pic. Essaie de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Pas de problème. Alors, on va avoir des QTE pour occuper Tante May. Hey, hey, Tante May, tu te souviens de mon oncle, ton mari qui est mort? Sacré souvenir. Oui, si tu veux. Oh, il y a des boîtes très lourdes. Non, pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour... Elle est bien, cette Tante May, j'aime bien. J'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Allez. Oula, doucement, Tante May. Peter, tu as des problèmes? Oui. Tu as besoin d'argent? Enfin, je suis accro à... sur mon loyer, mais... Je suis accro au beurre. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi. C'est une fille très bien. Je sais, mais... Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés. Des bébés, au pluriel. Peter. Que se passe-t-il? Allez, dis-moi tout. Raconte-toi, Tati. J'aime les bouffes. Toutes ces dernières années... Tu m'as aidé dans mes études, tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices et sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Hey, on a réussi. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici tout en disant lever ma détermination à aider les... Je ne pensais pas ce que je disais, c'était juste pour attirer ton attention. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Tu te calmes, t'admires pas ma tante, mon gars. Ou alors de très loin. À cette année et à celles à venir. Il a l'air pas terrible, ce, on dirait de l'éponge. Merci encore d'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, Tante May m'a toujours dit que sauver une personne... C'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Vous allez sauver qui, vous, Monsieur Li, hein, en devenant un super méchant? Tout le monde devient super méchant. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Il est déjà troublé par quelque chose, le Monsieur Li. Un message vocal de Yuri. Je devrais l'écouter dehors. Ah oui, en effet, oui. Allons-y au pas de course, d'ailleurs. Je préfère vivre dans la rue. Ouais, par là. Vous savez quoi? On va terminer l'épisode ici et on va écouter le message de Yuri à l'épisode suivant. Merci tout le monde de m'avoir suivi. C'était Sneak Toot avec Marvel Spider-Man. Et je vous dis à la prochaine. Bisous du fist. Oh, c'est dégueulasse. Mouah. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size. Can't you see? Just my type. Look out.